Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, je voudrais donner un conseil hyper simple, très rapide, mais vraiment extrêmement rapide, tu vois. Ce dimanche soir, je publie dimanche soir exprès, ce serait une mini routine, tu vois, de créateur de contenu dimanche soir. Cette routine, elle est très simple, c'est tu prends ton calendrier, ton agenda de la semaine qui vient, et tu devrais avoir défini dès ce dimanche soir trois éléments essentiels. La première chose, c'est quel est le contenu que tu vas produire, c'est-à-dire quel est le sujet, où est-ce que tu vas publier, est-ce que c'est une vidéo YouTube, est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est un billet de blog, et de quoi tu vas parler. La deuxième chose, c'est quand est-ce que tu vas le publier, mais vraiment la date précise et l'heure précise, à quel moment tu vas publier ce contenu. La troisième chose, vraiment, c'est à quel moment tu vas travailler dessus, le temps que tu vas te donner. Donc ce sont vraiment, tu vois, des lignes de conduite, c'est de quoi tu vas parler, où tu vas en parler. Quand tu vas en parler, à quel moment tu vas publier et quand tu vas travailler dessus. Quand tu as défini ces éléments-là, et ben tu as tout simplement défini ta semaine de travail. Tu sais exactement sur quoi tu dois travailler, quand tu dois travailler et pour quelle est ton échéance, à quel moment tu dois publier. Si tu fais ça tous les dimanches soirs et tu prévois chaque semaine un nouveau contenu de cette manière-là, tu auras vraiment atteint une cadence, tu vas vraiment arriver à avoir la régularité. Et la régularité, c'est ce qui paye dans la création de contenu, c'est ce qui te permet de progresser, c'est ce qui permet de créer une audience, créer des rendez-vous réguliers. Voilà, c'est tout pour ce soir. Tu as le temps de le faire tranquillement avant d'aller te coucher. Et moi, je te dis à demain pour un nouveau conseil. Ciao!